I think you're cute. Can I hit you up on Instagram? Cause you are the only thing I'm thinking of, and I can't stop it. I'm wishing you and I were talking. But even if we talked, I wouldn't know what I would say. My social awkwardness would just get in the way. And maybe I'm a little bit shy, but I'll try my best to compromise. Cause oh, I think I really like how you're always staring at your feet. Pictures only tell so much. Bonjour à tous. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Honnêtement je pense que ça va être une vidéo plutôt brouillon. Mais pour vous faire, pour vous dire en gros, ça va être une vidéo où je vais vous filmer un petit peu ma vie en ce moment. Sachant que moi actuellement je suis en stage dans la Drôme, dans un village vacances. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis en DUT information communication à Lyon. Donc là je suis en stage, je ne vais pas tarder à rentrer pour mes derniers examens, notamment l'oral. Et ensuite, normalement je pars en DUT au Canada. Au cégep de Jonquière. Et du coup à ce propos, là du coup je vais vous filmer un peu tout ce qui se passe dans ma vie, au boulot, par exemple en stage, ou là par exemple je vais aller bosser dans un camping en tant que serveuse. Enfin voilà, pour un petit peu vous raconter un petit peu ma vie, enfin le but d'un vlog. Et donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions par rapport à la fin de mon DUT, à mon départ au Canada, etc. Donc je vais y répondre dans cette vidéo je pense au fur et à mesure. Du coup voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire un petit peu le contenu que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Honnêtement je pense qu'il va y avoir pas mal de vlogs sur comment, ce qui va se passer au Canada, etc. Ou même sur le DUT, s'il y a des gens qui ont des questions sur le DUT, qui devient un BUT d'ailleurs. S'il y a des gens qui ont des questions sur le BUT information communication, notamment à Lyon, je serais vraiment ravie de vous répondre à vos questions et de vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette formation, qu'est-ce qu'on y apprend, etc. À quoi ça vous amène en fait. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voulez. Et du coup moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon d'ailleurs je l'ai pas dit, mais aujourd'hui on est mercredi. On est le 25 je crois. Et je voulais juste vous montrer un peu le cadre dans lequel je vis. Parce que du coup je suis en stage dans un village vacances. Et je suis logée sur place dans un chalet. Et juste en fait regardez moi cette vue qui est incroyable. Donc ça c'est déjà la vue de mon salon en gros. J'ai une petite terrasse. Et donc voilà, on est vraiment en fait en plein cœur de la Drôme. C'est vraiment la campagne ici. Mais du coup tout ça pour dire qu'on est quand même bien logé. Et ce que vous entendez là en fait c'est tout simplement des moutons qui sont juste à côté. Voilà, qui sont juste à côté, juste derrière cette haie en fait. Donc juste à côté du chalet, pour vous montrer que vraiment c'est la cambousse. Mais bon, tout ça pour dire que moi du coup je fais un stage dans la com, au sein d'un village vacances. Donc je vous filmerai un petit peu des extraits de quand je travaille. Mais voilà, je m'occupe de la com, des réseaux sociaux et je fais pas mal de prints. Par exemple des affiches, des livres d'accueil, etc. Et là je suis en plein, je suis en train de bosser mon mémoire de stage parce que je rentre pour mes oraux très bientôt. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Alors vraiment je redécouvre la vie. J'ai une amie qui m'a passé ses codes Netflix, j'allais dire non, Disney+. Et je me refais toute la saison, enfin toutes les saisons de Malcolm, qui est une série vraiment que j'ai tellement regardée quand j'étais plus jeune. Et en fait c'est vraiment hyper good mood je trouve, donc voilà, je vous partage juste ça, mais vraiment j'adore. Donc le programme de ce soir c'est une pizza devant Malcolm, que demander de mieux quoi. Ce vlog,
Je suis bien arrivée là où je travaille ce week-end, donc dans un camping où je fais du service. Et du coup là je vais avancer un petit peu mon mémoire de stage avant le service de ce soir, sachant que là il est 10h. Bon, du coup je peux vous montrer un petit peu les lieux qui sont quand même très sympas. Bon, le programme de ce matin, c'est de finir un petit peu mon dossier pour le Canada, où je prenne rendez-vous pour aller prendre mes empreintes. Et je vais aussi avancer mon mémoire de stage. Donc là, il est 10h tout pile. Donc il n'y a plus qu'à. Every little thing got a price, that's what I thought, that's what they taught. Yeah, I'ma take my chance till I drop. You know this ain't. Bon, jour 2 de ma journée ici au camping où je fais du service. Là, je vais m'installer pour travailler un petit peu dans mes mémoire de stage, sachant qu'il est midi. J'ai un peu fait la grasse mal, je vous avoue. Le service d'hier s'est très bien passé, moi qui n'en avais jamais fait, c'était bien. Donc je suis contente, donc je resserre ce soir et demain. Là j'avance mon mémoire de stage. Et voilà, je crois que c'est déjà bien, j'ai une vue quand même sympa. Et voilà. Bon, par contre il y a juste un problème, c'est que je sais pas si ça vous arrive, mais j'arrive vraiment pas à avancer sur mon mémoire. Bon, j'ai juste pas envie de travailler ou je divague. Et juste j'avance pas. Et c'est problématique parce qu'il faut vraiment que je le termine ce week-end. Mais bon, je vais me filmer en train de travailler comme ça. Peut-être que ça va me motiver. Je l'espère. Bon, je crois qu'il est grand temps de reprendre ce vlog là où je l'ai arrêté il y a une petite semaine. Du coup là j'ai fait ma dernière semaine de stage. J'ai pas trop eu le temps de vlogger parce que j'étais un petit peu occupée. J'ai fait mon mémoire de stage etc. Donc là tout est terminé. Je rentre aujourd'hui chez moi. Du coup pour continuer ce vlog je vais en profiter pour répondre à vos questions. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions par rapport à la fin de mon DUT, mon départ au Canada etc. Du coup je vais y répondre tout de suite. Alors donc en premier on m'a demandé est-ce que tu as validé ton DUT. Je ne sais pas encore, j'espère que oui et je pense que oui puisque j'ai encore ma soutenance de mémoire de stage le 15 juin. J'ai eu quelques résultats de mon deuxième semestre mais je pense que ça devrait aller. Je crois qu'au premier semestre j'avais dû avoir 11 de moyenne, 10-11 de moyenne et là je pense que ça va tourner aussi autour de 11-12. Donc voilà, je croise les doigts, mais il n'y a pas de raison pour que je le valide pas. Deuxième question, est-ce que tu as été déçue par ton DUT? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'ai envie de dire que oui, j'ai été déçue effectivement, puisque je m'attendais à peut-être avoir un petit peu plus de matière pratique, etc. Et c'est vrai que le DUT Infocom, notamment du moins le mien, celui à Lyon, je trouve qu'il est vraiment tourné sur la théorie, donc on a beaucoup de matière... pas très en rapport, si c'est en rapport avec la communication, disons que c'est des matières que j'aimais pas trop, comme la compta, la littérature, des matières un petit peu spécifiques. Donc j'ai été déçue dans ce sens-là au niveau des matières, parce que je pensais vraiment qu'on allait beaucoup apprendre sur la suite Adobe, etc., le montage vidéo, plus de la communication pratique, si on peut dire ça, et c'est vrai que ça représentait quand même... une petite partie si on peut dire. Après je trouve que c'est une super formation, on a un gros bagage théorique je pense, voilà, que ça soit en communication classique, en publicité, en réseaux sociaux etc. Je trouve que c'est une super formation mais j'ai été déçue effectivement à ce niveau là. Alors ensuite, est-ce que tu as aimé tes 2 ans de DUT? Alors oui et non, avec un peu de recul je m'en rends que j'ai bien aimé cette formation, j'ai bien aimé mes 2 premières années d'études à Lyon parce que c'est quand même aussi un signe d'indépendance et ça j'ai vraiment bien aimé, avoir mon appartement etc, avoir des amis etc.
Ce que j'ai moins aimé, faut le dire quand même, j'ai eu quand même des périodes compliquées où j'avais juste du mal à travailler, il y avait une grosse charge de travail et j'avais aussi du mal à suivre, je pense. On a aussi eu le Covid en plein dedans, donc les cours à distance, etc. Ça, c'était vraiment compliqué pour moi. Donc j'ai un peu moins aimé dans ce sens-là. On avait aussi des emplois du temps très chargés, je trouve, avec souvent des cours le samedi, etc. Après, c'est comme je disais, hein, c'est une super formation, mais voilà, je pense, moi en tout cas, j'ai dû m'accrocher. Donc ça a été compliqué à certains moments, mais ça a été deux belles années, je pense, qui m'ont beaucoup appris. Qui m'ont beaucoup appris et surtout aussi à ne pas lâcher, puisqu'il y a eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter. Mais bon, j'ai tenu bon et aujourd'hui j'ai terminé mon diplôme quasiment, donc je peux être contente, je pense. Alors, ensuite, de quoi te languis-tu le plus dans le cadre de ton année au Québec, la bise? Je te fais également des bisous. Au niveau de mon année au Québec, donc pour ceux qui ne le savent pas, moi je pars en duetti en publicité au Cégep de Jonquière, au Canada du coup. Je dirais que ce à quoi je m'attends le plus, je pense, c'est l'humain, dans le sens où rencontrer de nouvelles personnes, voilà, rencontrer des gens de là-bas, découvrir aussi ce pays qui m'intrigue depuis très très longtemps, et c'est aussi un rêve, hein, donc je suis très contente de partir. Voilà, je dirais c'est plus au niveau de l'expérience humaine que j'attends un petit peu de ce voyage, si on peut dire. Mais aussi de la vie à l'université là-bas, si on peut dire, parce que je pense qu'il y a quand même quelques variantes au système français. Donc voilà, si je devais dire trois idées, je dirais l'expérience humaine, mon diplôme là-bas bien sûr, puisqu'il a l'air vraiment cool avec des cours sympas. Je crois que j'ai de l'événementiel, de la publicité, etc., de la communication. J'ai aussi un stage à faire, il y a aussi une agence Embryo dans le cégep où on travaille dans une agence de pub un petit peu. Voilà, je dirais ça, et le voyage bien sûr, hein, j'espère pouvoir visiter un petit peu le Canada, etc. Et voilà, je dirais ça. Donc ensuite, quelle conclusion tires-tu de ces deux intenses années? Donc je pense qu'il veut parler du DUT. J'y ai un peu répondu avant, je tire surtout comme conclusion qu'il faut s'accrocher, notamment au niveau scolaire. Voilà, qu'il faut s'accrocher. J'ai aussi appris, enfin je trouve qu'il est important de trouver sa méthode de travail, hein, puisque c'est vrai que parfois j'avais du mal, et dès l'instant où j'ai trouvé la méthode qui me correspondait, c'est vrai que ça va tout de suite un petit peu plus vite. Donc après, qu'est-ce que je tirais comme conclusion? C'est une super question. Je dirais surtout ça, en fait, de continuer à bosser, même si parfois on n'a pas envie, et que même si j'ai quelques matières qui me plaisent pas, de me concentrer sur ce que j'aime, etc. Et surtout de pas obliger de créer des projets autour, puisque il n'y a pas que le diplôme qui compte. Hein, on peut faire plein de choses à côté qui peuvent être des choses aussi très très riches. Et très valorisé, hein, aussi auprès des entreprises, je pense notamment, hein, que ce soit par exemple la création d'une chaîne YouTube, lire des livres, etc., créer un blog, il y a vraiment plein de choses à faire. Et je pense qu'il ne faut pas uniquement se concentrer sur le diplôme qu'on est en train de faire. Voilà, je tirerai ça comme conclusion. Alors ensuite, j'ai eu comme question, quel est ton métier de rêve? Pour tout vous dire, j'ai pas vraiment de métier de rêve, j'ai plus des domaines un peu qui m'attirent, notamment la communication et le tourisme. Après, si je devais citer des métiers, je pense que j'aimerais bien gérer un établissement, que ce soit un village vacances, un camping, etc. Je pense que j'aimerais bien travailler dans le tourisme. Après, si je pouvais mélanger tourisme et communication, ça pourrait être vraiment sympa. Donc j'ai pas vraiment de métier de rêve, j'ai plus des domaines qui m'attirent, et puis je préfère pas me diriger vers quelque chose, franchement j'en sais rien, et je pense que c'est encore le temps de bouger. Voilà. Ensuite, pour finir, j'ai eu comme question d'une amie à moi, il est bien l'emploi du temps de deuxième année, donc c'était une amie qui était dans ma promo. Et c'est vrai qu'on a eu un emploi du temps, en fait, un emploi du temps assez chargé. Ce qui se passe, c'est qu'on est divisé en classes et les emplois du temps varient du coup. Et c'est vrai que moi, ma classe à moi, on avait très souvent cours les samedis et eux un peu moins que nous. Donc je pense que c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'au niveau du DUT, je trouve personnellement qu'on a eu un emploi du temps chargé. Voilà, après, bon, bah, c'est bien sûr parce qu'il y a beaucoup de contenu dans les cours, etc. C'est vrai qu'on a un emploi du temps chargé. Mais bon, franchement, c'est vraiment faisable. Si moi je l'ai fait, tout le monde est capable de le faire, vraiment. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées, donc merci à vous. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, si vous avez des remarques, etc.
Je pense que ce vlog va bientôt se terminer puisque je rentre aujourd'hui comme je l'ai dit. Je vous filmerai peut-être quelques rushs du site où je suis, du coup du village vacances Chanteduc, parce que c'est vraiment magnifique. Et voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu en tout cas. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des remarques, etc. sur ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas dans ce genre de vidéo. Comme ça, je pourrais m'améliorer. Et voilà, tout simplement. We move so fast, was moving south. Through my secret sauce, flew in and out. Miss how you gloss that pretty mouth. You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about you. Gloss that, love it when you toss it back. Love it when you talk back. Girl, you get me off track, so off white track soon. Bon, c'est ici que s'achève ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, mon stage ici, du coup, au village vacances, s'est super bien passé. J'avais des missions vraiment très cool, que ce soit gestion des réseaux sociaux, création de print, etc. Et j'aimerais vraiment aussi remercier les gérants du village vacances qui ont été hyper sympas, qui m'ont très bien accueilli. Donc, je leur fais un petit coucou s'ils passent par là. Donc voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos remarques en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. With my new bitty, she ain't let my ass off yet. Could have been you, still feeling on my ditty, but you lost that. You had real privileges for this. All snaps, now you're getting time out. Cause you hit it where my heart's at. Got me going deeper than Amari when that ball snap. Heard you sold your soul on Macari, got you call lacking. Now I'm next door, at the party while you jaw jacking. You know it's Rashad, and the rarest in the raw fashion. Still trying to figure how this all happened, huh?